Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soluce. Alors je vais vous montrer comment obtenir, en fait si vous êtes allé à Elmite chez le teinturier pour obtenir différentes paravoiles, vous avez dû arriver à une certaine étape où il vous demande de lui ramener des photos. Alors j'ai pris en photo un cheval, une cocotte, enfin pas mal de choses, le roi Grioc, pas mal de choses et le dernier point. Il me demande de prendre en photo un ours empereur. Donc, j'ai fouillé de long en large Hébra et ses forêts. Et donc, je vais vous montrer sur la map exactement. Alors, je dézoome un peu. Trouver ici l'ours. Donc, on va déjà se mettre sur l'appareil photo. On va essayer d'aller le prendre en photo pour pouvoir la quête de la paravoine. Vous voyez là-bas. Bon, j'aurais dû désactiver les sages qui cassent un peu les pieds. Bel ours empereur. Et on voit d'ailleurs motif de la paravoine. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce qu'ils sont quand même ultra rares. Ça a demandé pas mal de temps pour le trouver. Donc voilà, j'ai pris la photo de mon ours empereur. Et on va essayer de tout simplement de le domestiquer, mais de le grimper, si possible. Alors attention, hein, ils sont quand même agressifs. Hein. Ils n'ont pas envie, c'est normal. Pas envie que tu les grimpes. Alors IRL, jamais je ne ferai ça. Hein. Il ne faut pas maltraiter les animaux, c'est mal. Regardez-moi ça. Oh, bonne petite bouille d'amour. Bon, c'est pas la PS5, mais quand même très très mignon. Donc malheureusement, on peut pas le mettre à l'écurie ou quoi que ce soit, mais il est super super mignon. Bon, on va lui foutre la paix parce qu'en plus, il y a sa famille là, donc pas pour but de décimer les quelques ours qui restent. Mais voilà, on va retourner à Elmite. Qu'on a la photo et on va foutre la paix à ce bel ours empereur. On retourne donc à Elimite. La carte est illisible. Hop, ici. On va aller voir ce que donne la paravoile avec l'ours. Chargement. Aller voir notre ami le teinturier. Je le répète, on fait totalement penser au personnage le clown de ça. Hop, il est ici. On va lui parler. Il est flippant. Allez. Oui, tant mieux. Alors, donc on va se rénover ma paravoile. Donc montrer l'image. Et on va lui montrer l'ours empereur. Et donc là, on va obtenir le tissu de l'ours empereur. Alors, je vais aller voir où on en est dans la progression des paravoiles. Bon, vous voyez, j'ai déjà alors avoir monté tout en haut. Tissu ordinaire, tissu nostalgique, tissu Sheikah. Tu vois, je l'aime pas mal. Tissu que vous avez, où je suis pas sûre de mettre souvent. Tissu de la Gazette des Bois. Tissu de la Divinité Équine. Boutier. Liga. Cocotte. Ours empereur. Alors tout en bas, hein, c'est là qu'on voit ce qui manque. Donc il manque encore. J'avais pourtant, il me semble avoir pris le cheval. Faut que je le reprenne. Donc il me manque le cheval, l'autruche et le
Griok. Je vais aller les faire après, mais vraiment privilégier l'ours empereur, qui est vraiment ultra difficile à mettre. Où est-ce qu'elle est? On va la mettre, c'est mignon. Donc voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.